think that you are promoting unattainable standards of beauty in any way? No, I don't. Because I think we get up, we do the work, we work out. We are walking to the home, to the room. She's in a lot of pain. Yo la mif. L'autre jour, je scrollais sur mon tel, je regardais de la merde sur Twitter, comme d'hab, et je suis tombée sur un truc qui m'a grave interpellée. C'était l'extrait d'une émission qui parlait de la chirurgie esthétique, et dans cet extrait, t'avais une jeune fille qui souhaitait se faire opérer pour changer la couleur de ses yeux. Chérine va changer la couleur de ses yeux. Définitivement. D'ici quelques heures, ses yeux marrons ne seront plus qu'une image sur papier glacé. 1, 2, 3... Oui, vous avez bien entendu. Alors moi, mon premier réflexe, ça a été de me dire ça existe, ce genre d'opération. La deuxième chose que je me suis dit, c'est « Putain, la go est déterre quand même. Moi, tu touches pas à mes yeux, frère. » Et la troisième, ça a été de me dire « Tiens, et si j'en faisais une petite vidéo ?» Je vois l'ampleur depuis quelques années qui a pris la chirurgie esthétique et je vois tellement de choses négatives et parfois assez révoltantes sur le sujet que du coup, j'en suis venue à me demander « Peut-on considérer la chirurgie esthétique comme l'un des fléaux du 21e siècle ?» Avant de répondre à la question, on va commencer par définir les termes qui la composent. Dans un premier temps, dans chirurgie esthétique, j'inclus toutes les opérations lourdes qui nécessitent d'être faites dans un bloc opératoire de type rhinoplastie, liposuction, pose d'implant, etc. Mais j'inclus aussi les interventions de médecine esthétique de type injection. C'est des interventions qui sont moins invasives et qui peuvent être réalisées dans un cabinet médical. Pour ce qui est du fléau, voici les définitions que j'ai trouvées. Le CNRTL en regroupe quelques-unes. Grand malheur d'origine naturelle ou humaine qui frappe et ravage une collectivité. Il propose aussi ce qui détruit, ravage quelque chose, matériel ou moral, ou quelqu'un. Et enfin, personne ou chose néfaste, pénible ou très désagréable. Donc avec ces trois définitions, on peut voir déjà qu'il y a trois niveaux d'ampleur. Dans la première, on parle de grand malheur qui frappe et ravage une collectivité. Dans ce cas-là, on peut penser à la guerre ou encore à la peste noire, qui est une pandémie qui a sévi durant le Moyen-Âge et qui a tué 30 à 50% de la population européenne. Rien que ça. On parle ensuite de ce qui détruit, ravage quelque chose ou quelqu'un. Là, on part sur quelque chose d'un peu plus abstrait. Je peux carrément qualifier mon chat de fléau pour la fois où il a complètement détruit mes nouvelles chaussures. Petit bâtard. Il n'y a pas que ça qui l'a détruit d'ailleurs. Puis on parle de personne ou chose néfaste, pénible ou très désagréable. Emmanuel Macron ? Avec ces trois définitions, on se rend compte que la notion de fléau est quand même assez large. Mais du coup, est-ce que la chirurgie esthétique en fait partie ? Parce que clairement, on a le droit de se poser la question quand on voit tout ce qui se passe sur internet et à la télé. J'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, qu'on voit et qu'on entend parler de la chirurgie esthétique partout. Bon, faut savoir que la chirurgie esthétique, c'est pas un sujet de société nouveau. On en parlait déjà dans les années 70. Assumer ses cheveux blancs, soit. Assumer son visage, c'est sans doute plus difficile face aux autres et face à soi-même. Alors, de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui ont recours à la chirurgie esthétique pour garder leur métier, conserver leur foyer ou simplement se donner l'impression d'avoir stoppé le temps. Docteur, la chirurgie esthétique est-elle une mode ou un phénomène social ? Oh, je crois que la chirurgie esthétique est un phénomène social. Elle est en rapport avec la peur de vieillir, et la peur de vieillir est une chose qui est bien naturelle et bien justifiée. 30 ans plus tard, au milieu des années 2000, on pouvait en voir dans les magazines, on pouvait en faire mention dans des films, et ça pouvait être le sujet de certaines émissions à la télé. Tu pouvais aussi avoir le malheur de tomber sur la chaîne E et de te retrouver devant des émissions américaines de télé-réalité de type Docteur 90-210. I'm Robert Ray, I'm a Beverly Hills plastic surgeon. My professors thought I was crazy. It's the most competitive place in the world, but I want to conquer the mountaintop. Ou encore les girls de Playboy, avec des filles assez décomplexées sur le sujet de la chirurgie. Accepté sera de trouver trois dangereuses blondes aux courbes mortelles. En numéro 3, ne craignez rien. En numéro 2, soyez prêts. En numéro 1, risquez tout. Pas mal la vue. En France, la télé-réalité, elle existait déjà depuis quelques années et elle était déjà assez populaire, mais on était plus timide que nos voisins américains sur le sujet. On se doutait qu'il pouvait y en avoir, mais on n'en parlait pas de fou. C'est pour ça que dans mon souvenir, la chirurgie esthétique, c'était très américain et que c'était réservé aux personnes qui étaient inaccessiblement célèbres. Jusqu'à cette époque, tout ça, c'était assez gentil. Rien à voir avec aujourd'hui. On arrive dans les années 2010.
l'âge d'or de la télé-réalité. Pour moi, le tournant, il était dans les années 2000, au départ des États-Unis, parce que du coup, dans ces programmes de télé-réalité, les filles qu'on voyait arriver dans les premières saisons, elles arrivaient dans les saisons d'après avec un visage et un corps différents. Donc forcément, on voyait l'évolution. Et vu l'ampleur que la télé-réalité avait déjà à ce moment-là, on parle de millions de téléspectateurs, bah forcément, on était plus exposés du coup à la chirurgie esthétique à ce moment-là qu'avant. Je pense notamment à Kim Kardashian qui, en plus de ça, avait, ou a toujours, une émission de télé-réalité centrée sur sa propre vie, ce qui fait que, grâce à son programme, on pouvait un peu voir les dessous de la vie de célébrité, avec des mentions du coup récurrentes à la chirurgie esthétique ou toute autre procédure esthétique. Avec cette émission et le succès que ça a pris, Kim est rapidement devenue une icône dans le milieu et même en dehors. Et dans le but de ressembler à leur idole, de plus en plus de personnalités participant à ce type de programme ont commencé à aller trouver un chirurgien. Aujourd'hui, avec cet effet boule de neige dans les programmes, les filles qui n'ont pas eu recours à la chirurgie ou à la médecine esthétique sont quasiment inexistantes. Mélanie Amar, plus connue sous le nom de Mélanite, est devenue célèbre grâce à différents programmes de télé-réalité. Pendant des années, elle a fait la promotion de la chirurgie esthétique en mettant en avant sa nouvelle poitrine, son nez plus fin et ses grosses lèvres. Sans doute un peu trop. Et au-delà des programmes de télé-réalité, on compte aujourd'hui un nombre incalculable d'émissions qui traitent du sujet. Couplé à la télé-réalité, on peut clairement dire que les réseaux sociaux ont non seulement démocratisé le recours à la chirurgie, mais il a également banalisé. Contrairement à un magazine que t'achètes, allez, deux fois dans le mois, et une émission de télé-réalité qui est retranscrite seulement les soirs de semaine après le travail, on sait et on connaît l'ampleur que les réseaux sociaux peuvent avoir dans une vie. Personnellement, je me lève et je me couche avec. J'ai commencé à parler de télé-réalité parce que pour moi, c'est l'une des origines de ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux. Les deux sont liés. Je parlais tout à l'heure de voir un peu les dessous de la vie de star. Bah, les réseaux sociaux nous ont complètement plongés dedans. Et aujourd'hui, t'as même plus besoin d'être célèbre pour qu'on s'intéresse à ta vie. Le culte de l'image et de la beauté, il y est démultiplié. C'est un peu la course à qui est la plus belle et quelle est la dernière opération qui me rendra encore plus belle. On est à un stade où ça devient cool et stylé de faire de la chirurgie. I am beautiful. That aged poorly. Bitches is messy. Let's see. After all of that surgery, you are the ugly. Now that is what gets me. I want this nose. I need this nose. I would pay. I would pay to have this nose. Oh, shit. I already have it. It's really not that bad. It just needs a little shaping. To the salon! En 2022, le hashtag Plastic Surgery, a quasiment frôlé les 12 milliards de vues sur TikTok. C'est colossal. Alors vraiment. Et en ce moment, l'opération qui est à la mode, c'est le buccal fat removal, qui est une opération qui consiste à enlever les graisses qu'on a à l'intérieur des joues pour avoir un look très creusé à ce niveau-là. Et ça te donne un look très Bella Hadid, très Angelina Jolie. Comment parler des chirurgies à la mode sans parler du BBL? Le BBL, qui veut dire Brazilian Butt Lift pour les incultes, c'est une opération qui consiste à prendre de la graisse dans les parties du corps, donc le ventre, les cuisses ou les bras, pour ensuite le réinjecter directement dans le cul. Et bah bordel, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je vois des BBL partout. Rien qu'en 2020, d'après le New York Times, on a recensé 40 320 augmentations des fesses, d'après les données de l'Aesthetic Society. Pareil pour les injections aux lèvres, depuis que Kylie Jenner a refait les siennes, j'ai l'impression que toutes les filles se sont mises à avoir de l'acide hyaluronique dans les babines. On va pas se mentir que ben, ça a été un effet de mode d'avoir des lèvres un peu plus grosses. On est clairement dans une ère où on est plus décomplexé que jamais à parler de chirurgie esthétique, même si ça dépend pour qui. This is it. No breast implants. No surgery. Et forcément, tout ça, vu que c'est sur les réseaux sociaux, vu que ça concerne des personnalités publiques qui ont des millions de followers, jeunes à très jeunes, bah forcément, ça aura tendance à les influencer à vouloir faire la même chose. Selon une enquête du IMCAS, 63% des 15-24 ans veulent changer quelque chose à leur apparence.
Le truc, c'est que toutes ces femmes, du coup, qui passent sous le bistouri, ben, en général, elles demandent souvent la même chose. Elles demandent des lèvres pulpeuses, elles demandent un regard de biche avec les yeux et les sourcils hyper étirés, elles veulent un petit nez fin avec un menton prononcé et des pommettes bien saillantes. Et même si elles sont très belles, hein, y a rien à dire, ben, on se rend compte qu'il y a quand même un chemin assez défini à suivre pour pouvoir être considérée dans l'inconscient collectif comme étant belle. Et le souci qu'il peut y avoir avec ça, ben, c'est ce qu'on appelle le visage Instagram. Le visage Instagram, je l'ai vu, vous l'avez vu, ma grand-mère l'a vu, c'est ce visage-là. En 2020, dans le New Yorker, le docteur Demetris Arnautakis, un chirurgien prestigieux de Beverly Hills, a été interviewé au sujet des demandes de ses différentes patientes, et il y disait « Je dirais que 30% des gens qui viennent à mon cabinet apportent une photo de Kim ou de quelqu'un qui ressemble à Kim. On me montre parfois d'autres personnes, mais Kim est tout en haut de la liste. » Avec tout ça, du coup, on se rend compte qu'il y a une uniformisation des visages et des corps, parce que du coup, on a défini que pour être belle, il fallait ressembler à ça, et que pour être bonne, il fallait ressembler à ça. Et ce qui découle de tout ça, du coup, c'est qu'on peut constater une perte d'individualité, ce que je trouve personnellement dommage, parce que l'individualité, c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Gandhi disait « Celui qui perd son individualité perd tout ». À méditer. Pour certaines personnes, on peut même parler de perte d'identité liée à l'effacement de caractéristiques physiques qui sont liées à leurs origines ethniques. Je peux prendre l'exemple de Bella Hadid, qui est donc une mannequin internationale d'origine palestinienne. Elle exprimait dans une interview ses regrets par rapport à sa rhinoplastie. Elle disait du coup dans cette interview « J'aurais aimé garder le nez de mes ancêtres, je pense que j'aurais pu m'y faire ». Et dans cette recherche perpétuelle d'avoir le visage, d'avoir le corps parfait, bah, certaines personnes peuvent clairement s'y perdre, parce qu'un jour t'arrives chez le chirurgien avec une envie de te faire refaire le nez, mais après tu te rends compte que ton menton est trop affaissé, que tes lèvres sont pas assez pulpeuses, que tes pommettes sont inexistantes. Et ensuite je suis allée chez un docteur à Paris, ouais. De base c'était pour refaire ma bouche, et au final ce docteur il me dit bon, il y a tes cernes qui sont un peu creuses, tu pourrais en faire un petit peu là, tu pourrais un peu faire ici, dans le nez, dans le menton. Et moi c'est vrai que de base je suis pas allée forcément pour ça, ouais. Et au final je me suis un petit peu fait influencer. Et en plus de ça, t'as tous les 6 à 12 mois, si ce n'est moins, une nouvelle tendance physique qui émerge, ce qui fait qu'en fait c'est un cercle sans fin, et tu te retrouves avec des gamines de 19 ans qui ont subi une dizaine d'opérations, quoi. Et bon, je suppose que vous le savez, mais passer sous le bistouri ou même juste se faire des injections, c'est clairement pas anodin. Ça peut être traumatisant aussi bien physiquement que psychologiquement. Et dans le cas du BBL, par exemple, c'est l'opération de chirurgie esthétique avec le taux de mortalité le plus élevé, avec une chance sur 3000 de mourir. On voit aussi apparaître depuis peu ce qu'on appelle les fake injectors. Ce sont des personnes qui sont pas autorisées et qui sont pas qualifiées à pratiquer des injections. Le truc, c'est que sans qualification ni autorisation, ces actes peuvent être très dangereux. Maintenant, je sais que c'est illégal. Ah non, je... Non, depuis plus de 5 ans maintenant, on n'a jamais eu de soucis. Ok. Ça va. Mais il faut savoir une chose, c'est que les injections c'est légal que pour les médecins. En fait, il faut savoir que c'est une activité qui est super rentable. Ouais. Le produit, tu payes 60 euros. Ok. L'ingé, tu l'as pas à 200. Ça marche très très bien, il y a une rentabilité énorme, et en plus de ça, en très peu de temps, parce que l'injection, tu l'as en 10-15 minutes à peine. Alors, une chose, les filles, il faut savoir que comme on n'est pas médecin non plus, ouais. Le risque, c'est d'injecter dans une artère. Mmh. Quand on injecte dans une veine ou une artère, la personne a très 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 mal. Et la personne elle a vraiment vous sortez direct. En fait, là, dans son injection, elle a très bien pu, sans s'en rendre compte, aller piquer au niveau de l'artère coronaire labiale, et elle peut avoir bouché cette artère. Et on récupère des patientes avec des catastrophes, des patientes qu'on a dû amputer d'un morceau de lèvre, des patientes qu'on a dû amputer d'un morceau de nez, ou des patientes chez lesquelles on a dû enlever pratiquement toute la peau du front. Et en plus d'être dangereux, ça peut carrément être dégueulasse. Et là, mon pote, je pense que t'as vraiment le démon. Tu vas chez le chirurgien pour gommer un de tes défauts et tu repars avec quelque chose de pire. Je pense que psychologiquement, ça te détruit. Et c'est également un problème qu'on peut rencontrer avec la chirurgie esthétique. C'est le fait d'avoir un complexe qui te bouffe la vie, d'aller voir un chirurgien dans l'espoir d'aller mieux et de te sentir mieux, de te faire opérer, d'avoir que l'opération se passe bien, mais au final de te sentir toujours aussi mal en fait. Et limite de te sentir pire. Ça me fait penser à la vidéo de « Et si c'était mieux avant ?» qui parlait du fait que pendant longtemps elle était complexée de ses seins, qu'elle est du coup allée chez le chirurgien pour se faire opérer de la poitrine, et qu'au final, après son opération, elle se sentait toujours aussi mal quoi. Et ouais, dans ce cas-là, t'as le seum d'avoir dépensé des milliers d'euros
un peu pour rien. Parce qu'effectivement, on pense que la chirurgie esthétique pourrait guérir nos complexes, mais parfois, en fait, le problème, il est pas à la surface, il est beaucoup plus profond. Quand on sait que le nombre d'injections et d'interventions augmente chaque année, que les patients sont de plus en plus jeunes et que la pratique devient de plus en plus accessible, on a un droit de s'inquiéter et de s'interroger sur l'avenir. Déjà rien qu'en l'espace de 20 ans, on a vu la différence et on a vu l'ampleur qu'a pris ce phénomène. Et pour toutes ces raisons, on peut considérer que la chirurgie esthétique est l'un des fléaux du 21e siècle. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Déjà, cette idée que la chirurgie esthétique est omniprésente partout et que tout le monde en fait, bah elle n'est pas forcément vraie. Quand j'éteins ma télé ou que je me déconnecte 2 minutes de mon téléphone et que je sors dans la rue, je vois pas de la chirurgie esthétique partout. Et même si j'en vois, bah c'est tellement bien fait qu'au final, je remarque même pas. Donc non, en vrai, il n'y a pas des Maëva Guénem qui se promènent dans les quatre coins de l'Île-de-France. C'est assez lunaire de croiser un physique comme le sien. Les réseaux sociaux sont un microcosme qui peuvent nous faire penser qu'ils sont représentatifs de la réalité, alors que c'est pas forcément le cas. Et c'est pas tant la chirurgie esthétique qui est omniprésente, mais plus notre temps d'écran qui n'arrête pas d'augmenter, et l'émergence de nouveaux réseaux sociaux, tous plus toxiques les uns que les autres, qui pop tous les 5 à 10 ans. Je pense honnêtement que les seules personnes qui ont entendu parler du buccal fat removal, c'est les personnes qui traînent sur TikTok. Après, bien sûr, ça dépend du prisme de chacun. J'imagine que dans la réalité de Selena Gomez, la majorité des gens qu'elle côtoie ou qu'elle connaît ont eu recours à la chirurgie esthétique. Mais dans le prisme de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui représentent la majorité de la population, bah c'est pas du tout le cas en fait. C'est vrai que les contenus au sujet de la chirurgie esthétique font énormément de vues sur les réseaux sociaux, mais déjà si c'est le cas, c'est parce que c'est des contenus qui peuvent être publiés par des personnes qui ont des milliers de followers, voire des millions, et qui dit millions de followers dit probablement des centaines de milliers de vues à chaque publication. En plus, tous ces contenus sont pas forcément postés par des personnes qui en ont eu recours, t'as beaucoup de contenus réactions, d'analyses, de prévention et des contenus humoristiques. Et même parmi les chiffres que j'ai énoncés tout à l'heure, donc le fait qu'on ait recensé aux États-Unis en 2020 40 320 augmentations des fesses, bah c'est vrai que le chiffre, quand il est tout seul, il peut paraître impressionnant, mais quand on regarde par rapport à la population entière des États-Unis, qui est de 329-330 millions, eh bien on se rend compte que ces 40 320 augmentations des fesses, si on les considère comme des personnes, elles représentent 0,012% de la population des États-Unis. Au final, c'est un chiffre qui est pas si énorme que ça. Et même s'il est vrai que les procédures de chirurgie esthétique augmentent d'année en année, on reste sur des chiffres relativement raisonnables, avec au maximum 2% de la population qui en a recours. Pour ce qui est du visage Instagram, est-ce qu'il existe vraiment ? Parce que toutes ces filles qui sont toutes belles et toutes pimpantes sur les réseaux sociaux et donc avec un physique similaire, bah quand on tombe sur des photos d'elles dans la réalité, on se rend compte que c'est pas forcément la même chose. Du coup, on pourrait se demander si l'uniformisation des visages viendrait pas en fait des filtres ou des applications de retouche photo comme Facetune. Parce que la chirurgie esthétique, clairement, ça aide, mais ça fait pas des miracles. Ça permet d'améliorer la base que tu as déjà, mais ça peut pas créer autre chose. En fait, mon nez me dérange parce que j'ai un espèce de creux ici et j'aimerais bien le combler. Est-ce que le résultat au niveau du nez, est-ce qu'on pourrait avoir ça ou pas ? C'est une vidéo de vous ? Oui, avec un filtre, ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une beauté virtuelle. C'est pas la réalité de ce qu'on représente nous-mêmes. Quel que soit le traitement chirurgical et ou médical, on n'obtiendra jamais ce genre de résultat. Et le risque, c'est que derrière, vous soyez toujours en quête de plus. D'accord. Un bon chirurgien, il te proposera toujours de changer quelque chose sur ton physique, en harmonie en fait avec ton visage et avec ton corps. Donc est-ce qu'on peut parler d'uniformisation des visages ? Sur les réseaux, oui. Dans la réalité, je pense pas. Je trouve pas non plus qu'il y ait une réelle perte d'identité. Je vais reprendre l'exemple de Bella Hadid, qui du coup a fait une rhinoplastie à ses 14 ans, et qui a exprimé des regrets de ne pas avoir gardé le nez de ses ancêtres. Déjà, au-delà du fait que le nez de ses ancêtres n'est pas allé bien loin, et que dans une ou deux générations, il a de grandes chances de réapparaître, je pense que là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Il y a des personnes qui sont fières de porter les traits familiaux, et d'autres qui en ont rien à faire. Pour moi, les deux points de vue se valent. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas vraiment parler de perte d'identité quand il s'agit d'identité génétique. Et pour ce qui est de l'identité en rapport avec les caractéristiques physiques liées aux origines ethniques, donc là en l'occurrence on parle de l'ancien nez de Bella Hadid qui pouvait transparaître ses origines palestiniennes, bah je suis pas non plus tout à fait d'accord. Parce qu'il n'y a pas de caractéristiques qui sont exclusivement liées à une ethnie, à part la couleur de peau, le type de cheveux et la couleur des yeux. Tu peux trouver des yeux bridés chez une personne non asiatique, tu peux trouver une personne noire avec un nez fin, et tu peux trouver une personne caucasienne avec un énorme cul. Pour le coup, il y a vraiment de tout.
Après, oui, je suis d'accord qu'on puisse parler de perte d'identité si on change 20 000 trucs sur son corps. Et encore, je pense qu'il suffit juste de savoir doser. Dans le cas de Bella, elle a quand même changé pas mal de choses sur son visage, et c'est pas pour autant qu'elle a perdu son identité. Je trouve qu'on reste quand même sur la même personne. Eh bien oui, la chirurgie peut être très bénéfique. Elle peut effectivement remplir sa mission initiale, qui est d'aider les gens à se sentir mieux dans leur corps et en harmonie avec ce dernier. Pour ça déjà, il faut choisir un bon médecin. Donc prendre le temps de trouver le bon médecin, celui qu'il vous faut, idéalement spécialisé dans l'opération qu'on souhaite faire, et d'éviter d'aller chercher le moins cher, parce que je pense clairement que tu obtiens les résultats pour lesquels tu as payé. Et clairement, le choix du médecin est le critère déterminant pour qu'une opération et que pour l'après-opération se passe bien. Je préconise aussi, bien évidemment, de bien y réfléchir avant de le faire. Ça dépend des cas, j'imagine, mais j'ai un peu du mal à imaginer comment, avant 25 ans, tu peux avoir la maturité de prendre une décision aussi importante. Je reprends une énième fois l'exemple de Bella Hadid, mais si elle a regretté sa rhinoplastie, c'est clairement parce qu'elle l'a fait à 14 ans. Après, malheureusement, il n'y a pas de risque zéro. Tu peux ne pas être psychologiquement prête sans forcément t'en rendre compte. Et c'est pour ça que je recommande aussi d'aller voir un psychologue avant de se faire opérer. Pour s'assurer de le faire pour les bonnes raisons, pas parce que c'est l'opération à la mode et pas parce qu'on veut ressembler à un tel. Et ressembler à une poupée Barbie, je suis désolée, c'est plus ce que je veux être, c'est plus ce que je veux faire. Et surtout, c'est démodé. En fait, je rêve d'être skinny. En fait, ça y est, les formes, ça me plaît plus. Genre les grosses fesses et tout, ça me dégoûte même. J'ai envie d'être maigre. Genre des fesses mais toutes petites mais rondes et tout. Comment je pourrais faire? Parce que là si j'enlève tout, genre même les tétés plus petits et tout, ça y est, ça me plaît plus d'être comme ça. J'ai trop envie d'être genre skinny, c'est trop beau les filles comme ça, vous avez trop de la chance. Je regrette toute ma chirurgie esthétique. Je pense que ça peut permettre aussi d'éviter les addictions. Après oui, la possibilité de pas aimer le résultat existe, ça c'est sûr, mais après c'est un peu comme tout, j'ai envie de dire. Il y a des trucs que tu peux pas savoir avant de les avoir faits. C'est comme se faire un tatouage ou avoir des enfants, c'est quelque chose dont tu peux avoir envie, mais c'est également quelque chose de permanent, que tu auras toute ta vie, mais dont tu ne peux pas mesurer les conséquences avant de l'avoir fait. Maintenant la question c'est, est-ce que le risque en vaut la peine? Alors pour moi du coup, la réponse c'est non. Non, la chirurgie esthétique ne peut pas être considérée comme l'un des fléaux du 21e siècle. Parce que dans ma problématique, il y a une notion de collectif. Et du coup, ça impliquerait qu'à l'échelle du collectif, que la chirurgie esthétique ait causé du malheur à une grande partie de la population, ce qui n'est pas le cas. Je pense plutôt qu'elle est la conséquence d'un problème qui est bien plus profond. Il était une fois, une jeune fille qui parlait aux oiseaux dans la forêt. Un prince qui s'était perdu l'entendit chanter et s'approcha. Un regard, et ce fut le coup de foudre. Après un combat avec un dragon et une sieste qui s'éternisa quelque peu, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il était une fois une autre jeune fille, qui cette fois-ci n'avait pas un rond. Elle vivait dans la cuisine de sa belle-mère et obéissait aux ordres de ses demi-sœurs ingrates. Un jour, elle se rendit au bal malgré l'interdiction familiale et rencontra un prince. Un regard, et ce fut le coup de foudre. Après un quiproquo autour d'un escarpin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Des contes comme ça, je peux vous en raconter des centaines. La Belle au bois dormant et Cendrillon, ce sont des contes avec lesquels toutes les petites filles, ou en tout cas la majorité des petites filles, ont grandi. Et ce sont que deux exemples dans un océan de contes qui traitent quasiment tous du même sujet et qui parlent de la même thématique, qui est la beauté. C'est ancré dans notre société depuis toujours, c'est quelque chose qu'on nous apprend et que nous on intègre dès notre plus jeune âge, c'est que le statut et la réussite sociale va de pair avec la beauté. Dans ces contes, la princesse ou la paysanne devenue princesse, qui donc a une vie hyper heureuse avec son prince dans un immense et magnifique château, bah elle est toujours représentée comme étant la beauté ultime. Alors qu'au contraire, les méchantes, elles sont toujours représentées comme étant laides ou vieilles. Dans la réalité, le fait d'être jolie, ça permet de gagner en popularité et en succès. Ça permet du coup d'avoir plus d'amis, plus de vues ou de likes, et d'avoir une meilleure carrière professionnelle. Les personnes considérées comme étant belles sont plus susceptibles d'être embauchées, ont des salaires plus élevés, sont moins susceptibles d'être reconnues coupables pour un crime qu'ils auraient commis, ou elles auraient tendance à être condamnées moins sévèrement. On se rappelle tous de l'histoire de Jeremy Meeks, c'est un ancien membre de gang qui avait été arrêté pour plusieurs vols à main armée.
Son beau visage lui a permis une réduction de peine de 7 mois, une belle grosse cagnotte à la sortie, accompagnée d'un contrat de mannequinat à l'international chez White Cross, et une relation avec la fille du créateur de Topshop. Les personnes étant considérées comme belles sont également perçues comme plus intelligentes, en meilleure santé et plus compétentes. Donc oui, c'est tout à fait normal de vouloir être jolie quand tu sais que ce monde hostile te traite beaucoup mieux quand tu l'es. Et depuis toujours, en fait, les femmes ont modifié leur corps de manière plus ou moins extrême pour rentrer dans les standards de beauté de leur époque. Je dis pas que c'est bien, hein, je dis juste que c'est pas nouveau. Mais le truc, c'est qu'il y a d'un côté cette pression à devoir être belle, et de l'autre côté, t'as également la pression à ne surtout pas devoir le vouloir. Parce qu'une fille, tout de suite, qui investit dans son physique, qui aime bien prendre soin d'elle, et qui est un peu coquette, elle est tout de suite catégorisée comme une fille superficielle, pas très fut-fut, et on aura clairement du mal à la prendre au sérieux. Donc en fait, il faut juste qu'on aille se faire foutre, les filles. Bon, mon message ici, c'est pas du tout de promouvoir la chirurgie esthétique. On a bien vu les ravages que ça pouvait causer, et à quel point ça pouvait être une mauvaise réponse à un sérieux problème. Ce que j'encourage plutôt, c'est de le faire bien et pour les bonnes raisons, de ne pas avoir honte de vouloir le faire, ni de se sentir coupable. J'espère que cet épisode vous aura plu, et on se dit à la prochaine.